prisonnier, tu planes sur les eaux. Souffle sur la terre, allume un feu de nouveau. Esprit de lumière, tu planes sur les eaux. Souffle sur la terre, allume un feu de nouveau. Comme une colombe, bien Saint-Esprit, descendu des cieux. Viens Saint-Esprit sur le bien-aimé. Viens Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Frères et sœurs, avec la fête du baptême du Seigneur, nous terminons donc le temps de Noël. Depuis 15 jours, en effet, nous sommes dans ce temps de Noël, où nous méditons le mystère de l'incarnation, où nous faisons mémoire de Dieu venu dans notre monde. Certes, il y a 2000 ans, mais dans l'aujourd'hui de nos vies. À Noël, nous avons entendu cette parole de l'ange : aujourd'hui vous est né un sauveur, la présence de Jésus qui vient naître dans nos cœurs. Dimanche dernier, avec les mages donc arrivant à la crèche, quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Nous sommes, rappelons-nous, les mages de 2021. Et puis ce dimanche, le baptême du Seigneur, qui est en fait une nouvelle épiphanie. Jean-Baptiste, je le cite, donc l'Évangile proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Voilà, le baptême du Seigneur. En fait, avec le baptême du Seigneur, c'est plus qu'une épiphanie, une manifestation du Seigneur, c'est une théophanie. Dieu se révèle. « Tu es mon Fils bien-aimé. » En toi, je trouve ma joie. Dieu se révèle avec la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe avec cette parole du Seigneur. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Voici donc, frères et sœurs, avec la fête du baptême du Seigneur, avec la fête de l'Épiphanie, avec la fête de la naissance du Seigneur, eh bien, trois facettes du mystère de l'incarnation que nous avons médité, que nous méditons depuis 15 jours. L'Évangile donc de ce dimanche nous dit quelque chose aussi du Seigneur. Jésus reçoit le baptême de Jésus et en acceptant de recevoir le baptême de Jean-Baptiste, Jésus, frères et sœurs, rejoint. Il épouse notre humanité totalement. Il nous rejoint totalement dans notre humanité, certes, nous le savons, à l'exception du péché. C'est cela le mystère de l'incarnation, Jésus qui se fait proche, qui nous rejoint. Et Jésus nous rejoint dans notre humanité, qu'il transforme. « Je vous ai baptisé dans l'eau, dit Jean-Baptiste, lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » Faites donc du baptême du Seigneur ce dimanche, et cette fête donc nous renvoie, frères et sœurs, à notre baptême, à notre propre baptême. Et là, souvenons-nous de la parole de saint Jean-Paul II quand il est venu à Paray-le-Monial en 1981. Et c'était même à Paris. « Qu'as-tu fait de ton baptême ? Souviens-toi de ton baptême, disait saint Jean-Paul II en France en 1981, c'était à Paris. » Le jour de notre baptême, frères et sœurs, nous pourrions dire que c'est d'une part Noël. Le baptême, une filiation. « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, nous dit le Seigneur à chacun de nous, nous dit Dieu notre Père. » En toi, je trouve ma joie. Le baptême, donc une filiation,
Nous devenons donc fils et filles de Dieu. Le Christ vient habiter en nous. Le baptême, d'une part, donc Noël, mais aussi Pâques. Le baptême, vous vous souvenez, ça veut dire plongeon en grec. Eh bien, nous passons de la mort au péché à la vie en Christ, qui nous donne son Esprit Saint, à cette vie nouvelle dans le Seigneur. Le jour de notre baptême, nous sommes oints comme le Messie, nous sommes marqués du Saint-Crème et nous entendons cette parole. Dieu te marque de l'huile du salut. Tu es prêtre, prophète et roi. Prêtre pour prier chacun de nous, prophète pour annoncer cette bonne nouvelle du Seigneur qui nous rejoint et roi pour servir. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. Notre baptême, frères et sœurs, c'est une date heureuse, frères et sœurs. Et le pape François insiste beaucoup là-dessus, de connaître la date de notre baptême. Est-ce que nous connaissons la date de notre baptême? Nous avons été baptisés, j'ai été baptisé, mais aussi nous devons dire chaque jour, je suis baptisé, car la grâce de notre baptême, elle agit jour après jour. Nous sommes plongés dans cet amour trinitaire, frères et sœurs. Alors, ravivons ensemble la grâce de notre baptême. Et comment donc raviver la grâce de notre baptême, frères et sœurs? Comment la raviver? Je vous donne quelques pistes. Parce que le baptême, c'est comme une plante verte. Il faut l'arroser, se laisser travailler par la grâce du Seigneur, cette grâce trinitaire. Tout d'abord, la confiance dans le Seigneur, répondre à oui à l'amour du Seigneur qui nous est donné. C'est la deuxième lecture. Qui est donc vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La victoire remportée sur le monde, c'est notre foi, notre confiance. Alors oui, Seigneur, fortifie notre foi. Deuxième chose, se nourrir de la parole comme la fin de la première lecture. Vous avez entendu, ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'elle fait, comme la pluie et la neige qui travaillent, inondent la terre. La troisième chose, c'est la prière. Reprenez le psaume d'aujourd'hui. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. La prière. Et enfin, raviver la grâce de notre baptême, frères et sœurs, c'est donc être enfant de Dieu. Comment être enfant de Dieu? C'est encore la deuxième lecture. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, aimer le Seigneur, aimer ses frères, tenir les deux, frères et sœurs. Bien sûr, enfin, les sacrements. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. En toi, je trouve ma joie. Joie de se donner, frères et sœurs. Joie de se livrer. Joie de pardonner. Joie d'aimer. Joie de rencontrer. Voilà la joie spirituelle. Frères et sœurs, oui, ravivons la grâce de notre baptême.
veux.